Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Dreaming Girl. Aujourd'hui, je vais vous faire un tag, c'est le tag Me Tuer créé par Alexandre Calves. Donc, avec une question qui en fait constitue, on va dire, la réponse à cette question constitue la recette pour me tuer. Donc, c'est 8 situations, choses ou personnes qui m'énervent au plus haut point et qui pourraient me tuer cet été réunis. Alors, question numéro 1, quel est le plat que tu détestes le plus? Alors, ce sont les tripes, donc les abats, les tripes en général. J'ai goûté ça il y a quelques années et j'ai vraiment gardé un souvenir de cette expérience très négative. Pour moi, c'était vraiment répugnant. Je vois pas comment on peut manger ça, franchement, ça me dégoûte et en plus, je pense que voilà, c'est vraiment pas bon. Enfin, voilà, question numéro 2, quelle est la personne que tu détestes le plus? Alors, c'est plutôt un type de personne, je dirais, les personnes qui s'acharnent, qui vont faire tous les efforts possibles, imaginables pour détruire la vie des autres, pour les humilier, pour les rabaisser. Voilà, ça, je ne comprends pas comment on peut user tant d'énergie pour emmerder les autres. Voilà, c'est le genre de personnes qui sont, comment dire... je sais pas, vraiment hyper vicieuse et tout, vous voyez, ces gens qui ont un très mauvais fond, ça ce sont vraiment des personnes que je méprise au plus haut point. Question numéro 3, quelle est la musique que tu détestes le plus? Alors je dirais le générique du JT de TF1, voilà, c'est un JT déjà que je peux pas regarder, hein. Ça c'est physique, et surtout la musique du JT, ah, ça me dégoûte. Et aussi la musique de la Ligue des Champions, oh là là, ça c'est... gros souvenir, vraiment ça c'est un truc qui me dégoûte quoi. Alors question numéro 4, quelle est la situation que tu détestes le plus? Alors je dirais la situation où il y a une personne en fait qui me croise dans la rue ou autre et qui me regarde d'un air méprisant, la tête aux pieds, qui me regarde genre oh, tu t'es pas vu, voilà. Ça c'est un truc qui m'énerve parce que on peut ne pas aimer le physique d'une personne, on peut ne pas aimer une personne, mais le but c'est pas forcément qu'elle s'en rende compte, ou même si on veut qu'elle s'en rende compte, il y a des façons plus correctes de le faire, mais là dévisager quelqu'un comme ça, le regarder de travers, c'est quelque chose que je trouve vraiment dégueulasse et c'est quelque chose que j'essaye de ne pas faire en tout cas. Et voilà, c'est la situation qui énerve le plus, c'est me retrouver en face d'une personne qui me dévisage, qui me regarde de travers. Question numéro 5, quelle est l'odeur que tu détestes le plus? Alors j'irai l'odeur des gens dans le métro l'été, même l'hiver parfois, mais surtout l'été parce que les gens dès le matin des fois n'ont pas mis de déo, ne se sont pas lavés et en fait ça sent vraiment la sueur et ce genre d'odeur là matin ou même le soir me fait tourner la tête. J'ai tendance à faire des attaques limite de panique quand je me retrouve dans un endroit confiné comme ça où ça pue, et voilà, cette odeur de pas lavé, de sale, de vraiment sale, ça m'écœure. Alors ensuite, question numéro 6, quel est le comportement que tu détestes le plus? Bon, on va dire que ça ressemble un petit peu à ce que j'ai dit à la question numéro 4, la situation. Donc là, le comportement, on va dire, bah, ce sont les gens méprisants, les gens qui ne savent pas s'adresser à quelqu'un sans la prendre de haut. Sans, voilà, c'est un comportement que je déteste. Je vois pas ce que j'ai, ouais, ce que je pourrais dire d'autre. C'est les gens qui s'adressent à moi comme si j'étais moins que rien, une imbécile, une mocheté, voilà, une fille de petite vertu, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est ces gens-là qui se permettent d'insinuer des choses dans les phrases, voilà, des choses pour rabaisser les autres, c'est un truc qui me dégoûte. Question numéro 7, quel est le vêtement que tu détestes le plus? Alors je dirais les pantalons classiques, les pantalons noirs classiques, je trouve ça d'un ennui pas possible, je déteste ça, je vois pas l'intérêt, pour moi c'est pas joli, ça m'incite pas forcément, c'est pas un vêtement que j'aime, franchement je pourrais faire porter un jean, un legging, ce qu'on veut, mais un pantalon noir classique c'est quelque chose que j'arrive pas à porter. Question numéro 8, quel est l'endroit que tu détestes le plus? Je dirais la poste. La poste parce que voilà, il y a toujours un problème. Voilà, quand je cherchais un colis, soit on n'a pas mon colis, soit je suis reçue comme de la merde, soit il y a beaucoup d'attentes, enfin il y a toujours un truc qui m'énerve. Après ça, bah, les cimetières. Oui, les cimetières, c'est un endroit qui, voilà, qui est assez désagréable. C'est un peu énervant de se dire qu'on est censé y aller à la Toussaint, des choses comme ça. Moi, c'est un endroit que je veux pas fréquenter, même s'il y a des proches qui sont enterrés. C'est un endroit que, voilà, que je ne supporte pas. Je pense que c'est un peu normal. À part ça, quel endroit...
Je dirais, je sais pas, un endroit sale. Voilà, j'ai horreur de la saleté. Oui, le McDo, les McDo, oui, en général, c'est sale. Ou même si c'est pas sale, c'est malsain, il y a une odeur grasse, de gras dans l'air. Je ne supporte pas les McDo, les fast-food en général, mais surtout les McDo. Voilà, donc ce tag est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire. Je vais taguer Grace Bayache, je vais taguer Mademoiselle Ebony, Coquetterie de Miss. Et puis aussi, je vais taguer Paris Makeup Fan. Voilà, donc n'hésitez pas les filles à le faire. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!